Amplifiez votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois. Rendez-vous sur lachaîneguitare.com. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne guitare pour une nouvelle interview Zoom, très à la mode en 2020 et toujours très à la mode en 2021. J'ai à l'autre bout de la connexion Zoom the one and only Nicolas Yves Kerol. Nicolas Yves, comment est-ce que ça va bien déjà cet après-midi? Eh ben bonjour à tous. Écoute, ça va plutôt bien, tu vois. Je suis dans ma maison du Sud et il fait grand beau, grand chaud. Un matin, je me suis réveillé et je me suis dit, mais en fait, dans les musiques actuelles, les artistes de musique actuelle sont les seuls qui n'ont pas de référent direct. Alors, j'entends de référent artistique direct. Voilà. J'entends d'ici là, j'entends depuis chez moi tous les managers qui disent, si, il y a un manager, il y a un chef, c'est moi, ouais. Mais pas de façon directe au niveau de l'artistique. C'est-à-dire que le musicien classique, avec son violon ou sa flûte ou sa clarinette, il dépend d'un chef d'orchestre. Mm-hmm. Le danseur, il a un chorégraphe. Le comédien, il a un metteur en scène. Et le mec en musique classique, pas forcément. Pour autant, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il est sur scène. En musique actuelle, tu veux dire? Actuelle, pardon, j'ai dit quoi? T'as des musiques classiques. Musique actuelle. Ouais. Et donc, du coup, j'ai eu l'idée de monter un programme pédagogique basé, du coup, sur des techniques de direction d'orchestre pour les musiciens en musique actuelle. Tout ça est évidemment axé autour du savoir-être. Voilà, le savoir-être scénique, donc la présence scénique. Donc, j'ai appelé un pote à moi qui s'appelle Nico, qui est Nico Slash. Ouais. La chaîne du compte Nico Slash. Je lui en ai parlé, il m'a dit « putain, c'est une idée super et tout ». Voilà. Mais l'idée moi que j'avais derrière, c'était de proposer en fait deux axes d'entrée, c'est-à-dire le premier axe, c'était vraiment de dire « il faut que les personnes soient en mesure de choisir leur esthétique », parce que pour le coup, au niveau de la guitare, c'est très très vaste. Et tu peux être un super guitariste de jazz, tu peux être un super guitariste de métal, tu peux être un super guitariste de blues. Pour autant, tu vas peut-être pas communiquer de la même façon et tu vas peut-être pas, tu vois, voilà. Donc, tout de suite, en gros, j'ai regardé par rapport à tous les gens que je suivais, moi, tu vois, qui m'avaient, entre guillemets, apporté quelque chose personnellement. Et je me suis très, très vite tourné vers trois coachs, effectivement, à la base. Pour le coup, complémentaires, tous hyper accessibles et avec un gros niveau, une belle pédagogie et des gens, des personnes, vraiment des ce qu'on appelle des belles personnes, tu vois, des gens qui n'ont pas peur d'offrir, de communiquer. Donc, par rapport à ça, donc, il y a eu Nico, effectivement, sur tout l'univers Slash, donc évidemment, qui est blues, tu vois, rock blues. Ensuite, j'ai sélectionné Saturax pour tout l'univers plutôt Satriani et tout ce qui est hard rock et shred, notamment. Ouais. Et j'ai sélectionné Swan Vaud. Pour tout ce qui est musique un peu plus afro, tout ce qui est funk, tout ça, ouais. Néo soul. Hein. Okay. Et ça m'intéressait de confronter justement cette nouvelle génération avec une ancienne génération. Quel était le métier, si tu veux? Et là, il me fallait prendre quelqu'un qui a énormément de métiers, énormément de bouteilles et de passions. Et je me suis naturellement tourné vers Michael Jones, qui est un ami depuis quelques années maintenant, avec qui je travaille beaucoup sur ces stages aussi. Voilà. Et du coup, Michael sera présent aussi. Donc, finalement, l'idée, c'était vraiment le message. Vous choisissez votre coach. Alors, parmi les trois que j'ai cités tout à l'heure, vous allez travailler tous les jours avec eux. Tous les jours, vous allez avoir des masterclass. Tous les jours, vous allez avoir des temps libres pour pouvoir travailler avec les autres coachs, avec Michael, avec toi. Et ça, si tu veux, c'était la proposition de base. Voilà. Et à quel moment donc tu as ajouté donc Tanguy Carleroux, que je salue au passage, puisque c'est un abonné de la chaîne guitare là. Tanguy, voilà, j'ai un projet par rapport à ce stage. Ça m'intéresserait de rajouter un stage dans le stage, pour le coup. Mais alors, c'est un peu particulier parce qu'il me faut quelqu'un qui soit suffisamment accessible et suffisamment motivant pour récupérer des gens qui pensent ne pas avoir le niveau, les faire vraiment monter en compétences pendant le stage sur de l'apprentissage, tu vois, de solo, par exemple, sur ce genre de choses, quoi, tu vois. Arriver à découvrir un peu les systèmes d'impro, tu vois, travailler un peu sur les gammes, les premiers solos, travailler un ou deux solos mythiques, tu vois, des choses comme ça. Et l'idée, c'est de les booster tellement que d'ici la fin de la semaine, ils arrivent les soirs à monter sur scène pour faire des jams, tu vois. Dis-nous tout, ça va se passer où, ça va se passer quand? Alors, ça se passe du 25 au 31 octobre. D'accord. Alors, c'est un tout petit patelin, il doit y avoir peut-être 300 habitants. D'accord. C'est un lieu burdinien.
D'accord. Et quelque chose d'un Alors, peu plus grand à côté pour se rendre compte? tu es à 15 minutes de Thonon-les-Bains, D'accord. tu es à, on va dire, 15 minutes d'Annemasse, tu es à 40 minutes d'Annecy et 25 minutes de Genève. D'accord. Et... On a décidé, pour des raisons purement pédagogiques, de limiter à 15 stagiaires par coach. D'accord. Tu fais la multiplication, il y a 4, sachant que Michael ne rentre pas là-dedans. Donc il y a 4 coachs multipliés par 15, je crois qu'on est à 60 stagiaires maximum. Et combien ça coûte, le sujet qui fâche? Ben, alors ça, si tu veux, on va dire qu'on est autour, tout compris, on est autour de 1 000 euros. Voilà, je ne peux D'accord. pas donner un prix vraiment précis parce que il y a des options, tu vois, alors des options qui sont des options de vie, tu vois, si une personne veut une chambre individuelle, Ouais, si une ok. personne... Voilà, il y a ce genre de choses-là, mais globalement, on est aux alentours de 1 000 euros. D'accord, excellent. Et comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire? Donc là, j'ai l'adresse du site web, c'est bands-camp.com/stage de guitare. Je mettrai l'adresse dans l'article, etc. Donc comment ça se passe? On te contacte pour avoir un peu les détails, voir comment ça se passe? Quand t'arrives, quand les stagiaires, on va dire, enfin, les futurs stagiaires, arrivent sur le site, il y a un descriptif complet du stage et à la fin, en fait, il y a une demande de renseignement. Donc, D'accord. le fait de rentrer des coordonnées pour recevoir, en fait, cette demande de renseignement, bah, ça libère, en fait, le dossier, si tu veux, complet d'inscription. Amplifiez votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois. Rendez-vous sur lachaîneguitare.com.